nous sommes à Koussoussou. Koussoussou est un village à l'entrée de Yamoussoukro. On va voir ici si les gens regardent RTI2. C'est RTI2 à domicile. Suivez-moi, je vais prendre mon micro. Je suis en train d'aller dans un... C'est pas c'est une buvette ou c'est une cave, mais à l'ancienne, quoi. Bonjour. Yamo, yamo. Un transique. Non, transé. Ah, un voilà. Gra, là, ça veut dire quoi? Gra. Gra, ça veut dire descend. Bon, assois-toi, descend. Voilà. Ça va bien? Qui est le patron ici? C'est lui qui arrive, là? C'est lui? Ah, voici le patron qui arrive. Patron, bla kan ngun kleo, yachi. Ça va, cher frère? Oui, ça va très bien, c'est monsieur. Quel nom? Moi, c'est monsieur Nguessan Yawarmel. Et ici, c'est quel village? Bon, ici, nous sommes à Koussoussou. Koussoussou, hein? Oui, oui. Koussoussou, c'est à combien de kilomètres de Yamoussoukro? Bon, environ 2-3 kilomètres de Yamoussoukro. 3 kilomètres de Yamoussoukro, hein? Oui. D'accord, on est très content de savoir que vous regardez RTI2. Est-ce que tous les soirs vous vous retrouvez ici pour regarder la télé? Oui. C'est tous les soirs? Chaque soir nous nous retrouvons ici pour regarder la télévision. D'accord. Est-ce que vous aimez la télévision, le groupe RTI? On va dire RTI 1, en tout cas, la 2, sommes... la 3. Est-ce que vous aimez tous ceux-là? Vous aimez ça? Nous vous suivez la RTI ici? Le groupe RTI, RTI 1, RTI 2. La parce 3. Que la chaîne RTI, tout le groupe RTI nous procure de la joie. Ça, c'est vrai. C'est voilà. La rediffusion du match Sénégal-Côte d'Ivoire, non? Oui. Vous avez toujours peur avec la rediffusion, vous avez peur? Voilà. Ils peuvent égaliser, hein? Voilà. Dans la rediffusion, ils peuvent nous gagner, non? Ah, franchement, ce match était un match, était vraiment un match. Vous avez eu peur, non? En tout cas, on a eu la peur au ventre. D'accord, on va parler avec l'autre là. Ok, merci. Tourne un peu, tourne. Tout le monde va parler. Oui, je vais voir monsieur Kwame Kofi Jonas. Jonas, oui, monsieur. Ça va? Oui, ça va très bien, monsieur. Ici, là, c'est pour votre grand frère ou bien c'est pour qui? Oui, ici, c'est pour mon oncle. Votre oncle? Oh, oui. D'accord. C'est lui qui a eu l'idée géniale de mettre une télévision dehors pour que tout le monde puisse regarder. Oui, oui, c'est lui qui a eu l'idée. Vous pouvez parler, madame? Comment vous appelez? Kwadjo Akissi, président. Kwadjo Akissi. Mais pourquoi votre mari ne veut pas venir? Il n'aime pas la télé? Si. Mais il n'a pas venu? Il vient d'arriver. Hein? Il va il vient d'arriver, il est fatigué. Il était où? Il est parti au champ. Il est allé au champ. D'accord. Le champ est loin d'ici? Oui, oui. C'est loin? Oui, oui. D'accord. Vous regardez les films hindous ici souvent? Oui, oui. Vous les aimez? Oui. D'accord. Les novelas, vous les regardez ici? Oui, oui. D'accord. DT, qui a la clé? D'accord. On va ouvrir d'abord. J'arrive. Viens avec moi. Viens avec moi. Voilà. Bla. Non. Tiens, tu écrases. Tu es bien à zéro. Prends ça. Non, lui va prendre ça là-bas. Non, c'est moi qui prends. Tiens, voilà. Tu es bien à zéro, la Côte d'Ivoire. Kwaku, prends ça là. Kwaku, prends ça. 5 à 0. Voilà. Kwaku, prends comme ça, voilà. Voilà, allons là-bas. Prends ça, allons là-bas. Attendez. Voilà. Dites quelque chose à Baoulé, une chanson à Baoulé. Vraiment, je suis très fier de la Côte d'Ivoire, principalement de la chaîne RTI2. Je suis très fier de notre pays. Voilà, envers la population ivoirienne. D'accord. Je remercie Dieu. Oui. Voilà. Voilà. Asseyez-vous, transez. Voilà. Madame, voici un petit cadeau pour vous. Vous êtes contente? Oui, oui. Hein? Oui, oui. Comment on dit en baoulé, je suis content? Comment on dit en baoulé, quand c'est femme, je suis contente? Comment on dit en baoulé? Parle fort, hein? Nkouti Djoana Miansé. Nkouti Djoana Miansé. Ah, Moklon. Voilà. On va parler avec le futur joueur. Quelles sont vos impressions, content ou pas content? Ok, franchement, je suis ému. Je sais pas, les mots me manquent. Oh ouais. Voyez, la RTI2 vient de nous surprendre comme ça. Ouais. En tout cas, franchement, je suis très 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 heureux, très très content pour toute la Côte d'Ivoire, pour tout ce que le groupe RTI fait, et principalement pour notre président de la République.
Voilà, pour le combat qu'il fait, pour ce que les Ivoiriens soient en joie. En joie. Je suis très très heureux. Merci pour ça. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment on dit sans baouler ce que tu as dit là, on dit sans baouler. En tout cas, on vous dit joie. Voilà. Voilà. Cher ami, on va terminer par toi. Ok, d'accord. Est-ce que tu es content pour le petit présent de RTI 2? Oui, c'est un petit cadeau, hein, c'est oui, pas vous. Je suis tellement heureux. Oui. Je suis tellement content de vous voir la RTI 2 en Veine. Oui. Voilà. Malgré le peu de cadeaux que vous avez fait, oui. Je suis tellement content. D'accord, je d'accord. remercie tout le monde. D'accord, d'accord. Alors, je vais vous donner une information. L'émission qu'on fait, là, s'appelle RTI 2 à domicile. C'est du lundi au vendredi à 19h10 et tous les dimanches. À 13h30, on rediffuse tout ce qu'on a fait la semaine pour vous. Voilà, donc ça vous permet de savoir un peu tout sur nos programmes. Donc vous allez vous voir. Voilà. Donc vous allez vous voir. Merci beaucoup. On va prendre congé de vous. Ne bougez pas, restez là, ne bougez pas. Et c'est moi qui vais partir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci madame. Voilà. Comme je vous le disais, il n'y a pas de discrimination au niveau de nos téléspectateurs. On visite tout le monde. Nous sommes à Kpososou. Kpososou, c'est un petit village à l'entrée de Yamoussoukro. On vient de faire des heureux. Voilà. On poursuit notre balade au cœur de la Côte d'Ivoire. On arrive au péage. On va voir si. Ceux qui travaillent dans les guichets, une fois retournés à la maison, s'intéressent à notre groupe, nos chaînes, soit RTI 1, RTI 2, mais notamment RTI 2. Voilà, on verra. Donc, on va essayer de les titiller un tout petit peu, de les taquiner un tout petit peu. Voilà. Ça va durer que quelques secondes, voilà, voire minutes. Nous sommes au péage de Saint-Grobo et on va essayer de titiller un tout petit peu ceux qui travaillent au guichet ou celles qui travaillent au guichet pour voir un peu qu'une fois le travail terminé, si elles ou ils regardent RTI2. C'est aussi ça, la chasse aux téléspectateurs. On va essayer de voir. Bonjour chef. Bonjour. Chef, ça va? Je paye, mais est-ce que vous regardez souvent, quand vous allez à la maison, vous regardez RTI 2 souvent? Souvent, vous regardez RTI 2? Comment vous trouvez nos programmes, nos émissions? Encore, je ne trouve pas... Donnez déjà la monnaie, vous n'êtes pas que le voisin. Les quelques rares fois que je regarde, oui. Le programme est tellement bien fait. C'est bien fait. Voilà, nous sommes satisfaits. Oui. Voilà, c'est quel nom? Wonya Richard. Wonya, ça va? Wonya, oui, le boulot, ça va très bien. Le boulot, ça se passe bien ici? Le boulot, ça se passe très bien. D'accord, merci beaucoup. Hein. Okay, à vous. Et prenez soin de vous. Et bon boulot. Hein. Bonne route à vous. Alors, merci. C'est fait, je l'ai réussi. Je l'ai réussi. Ah, il faut essayer. Hein. Il faut essayer. Il faut essayer. Never give up. Nous avons fait une escale à Ziernoua. Ziernoua. C'est à quelques kilomètres de Ndoussi, voilà, en venant de Yamoussoukro. Voilà. L'émission que nous avons commencé à l'entrée de Yamoussoukro va s'achever ici avec quelqu'un qu'on va visiter. Voilà, on va voir là. Bonsoir. Ah, Vinicius a marqué? Est-ce qu'on peut crier? Oh! Ah là, ça c'est bien ça.
Cher ami, ça va? Oui, ça va bien, monsieur. Quel est votre nom? Moi, c'est monsieur Eouma Broufoudjans. D'accord. Ici, c'est quelle ville? Ici, c'est Nzianoua. Nzianoua. Ah, oui, oui. Vous êtes d'ici? Bon, moi, j'enseigne ici. Vous enseignez? Oui. Ça tombe bien, on tombe sur un pédagogue. Vous enseignez quoi? Bon, je suis instituteur. Instituteur, hein. Oui, oui. On va dire professeur des écoles. Des parce écoles. Que vous enseignez beaucoup de matières. Effectivement. Mathématiques, sciences, français, tout. Français, tout. Donc vous êtes professeur des écoles. Effectivement. Alors vous connaissez la chaîne qui vous visite là, hein? Oui, effectivement, je connais la chaîne. RTI 2. La RTI 2. D'accord, vous connaissez l'émission? Bon, l'émission, là, je... C'est du lundi au vendredi sur RTI 2 à 19h10. Oui. Ça s'appelle RTI 2 à domicile. D'accord. Voilà. RTI 2 à domicile. On vient chez vous, oui. On vous surprend, on le change avec vous. C'est ce qu'on fait. Il n'y a pas de souci. On vient de faire le tour de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de souci. On a vu que vous êtes attroupé autour d'une télé. Effectivement. Bon, il faut qu'on marque une pause pour voir qu'est-ce que vous regardez. Oui. Et vous regardez un match de l'équipe de mon cœur réel. Ça, il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de souci. Voilà, ouais, alors, vous avez vu que la CAN a fait qu'on a oublié le championnat européen. Effectivement. Oui, oui, oui. C'est que la CAN a été très bien organisée. Très, très bien organisée. Il faut le dire. D'accord. Et ça, je vous tire le chapeau. D'accord. Dites-moi, est-ce que c'est une bonne chose comme ça que la télé se promène dans toute la Côte d'Ivoire pour parler avec les téléspectateurs? C'est une bonne chose? Chez moi, c'est une bonne chose parce que ça. Ça ramène la population à suivre la télévision et à accroître beaucoup de choses. D'accord. Georges, ça va? Oh, Georges est gentil, on est venu dans son kiosque. Attrape le micro, on va parler. Alors, j'ai connu ton nom grâce à... Je vais vous voyez, j'ai connu votre nom grâce à votre client, l'enseignant. C'est bien, vous avez une télévision, c'est une bonne chose. Mais vous ne regardez pas la télé, pourquoi vous faites ça? Si, on regarde. Vous regardez souvent? Oui. Et donc, c'est pour le match que vous ne regardez pas aujourd'hui? Oui, oui. D'accord. Est-ce que vous êtes fier de la RTI? La CAN, là, on a montré beaucoup de programmes. Vous avez aimé les matchs? Oui, là? Oui, j'ai aimé. Tous les grands matchs sont passés sur RTI. Oui. RTI 1, RTI 2, la 3. Oui. Vous avez aimé? Oui. D'accord. Alors, Georges. Oui. On va commencer par l'enseignant. Ça, c'est le nom de l'émission qui est dessus. Et ça porte les couleurs de la Côte d'Ivoire, orange, blanc, vert. On a orange, on a le blanc qu'on va remettre à Georges. Georges. Oui. Georges, le vert, là, resté à Yamoussoukro. Voilà. Merci à vous. Alors Georges, oui. On va vous demander de suivre RTI 2. Exact. Vous voyez, quand vous sortez votre tête, vous allez voir une voiture qui est garée. Oui. Si on était venu trouver que vous regardez RTI 2, oui. On a des réfrigérateurs, on a micro-ondes, on a des téléviseurs, on allait vous donner. C'est ce qu'on a distribué dans toute la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de ce numéro de RTI de domicile, commencé à l'entrée de Yamoussoukro et qui s'achève ici à Zianoua. Une contrée, un village est situé entre Ndoussi et Toumodi. Merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir regardé. Comme vous le savez, le prochain rendez-vous, c'est chez vous car la télé, non, on l'a fait pour vous. À très bientôt.